Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et très ravi encore une fois de plus d'être là. Vous m'aviez cherché, je crois, pendant une semaine. Je me suis donné un peu du repos tellement que nous courons derrière beaucoup de choses. Et puis, chose grave encore, j'étais aussi terrassé par une grippe tellement... Je crois la dernière fois quand j'ai passé... devant vous, c'était pour vous dire que non, ça n'allait pas. Et puis, les choses ont vraiment dégringolé. Je suis resté quelque part, un peu 2 à 3 jours cloué, ne sortant pas avec les rhumes, le flou. Maintenant, ça va, nous revenons. Il y a même des émissions qui ont souffert, qui n'ont pas été diffusées parce que la santé ne nous avait pas permis. Maintenant que les choses rentrent dans la normale, nous voici encore une fois de plus devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler des conditions et des préalables pour une bonne marche d'un nouveau Congo. Les conditions et les préalables pour une bonne marche d'un nouveau Congo. Vous êtes sans oublier qu'ici à Contact Pro Live, nous disons que tout ce qui se fait là au Congo n'est qu'une souffrance comme on dit en jargon médical dans la nativité, donc les souffrances prénatales. Le nouveau Congo est en train d'arriver. Nous y croyons toujours et nous continuerons à y croire. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des souffrances par lesquelles nous devons passer. Mais une chose est certaine, chers amis, élevons nos consciences, prenons conscience que nous devons accueillir un nouveau Congo, nous devons préparer ce nouveau Congo. Alors, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons encore élever la barre un peu plus haut en y allant beaucoup plus sur les réflexions. Comment est-ce que nous pouvons y arriver ? Comment est-ce qu'allons-nous arriver à ce nouveau Congo ? Parce que quand tu prends l'économie, quand tu prends la sécurité, quand tu prends tout le développement de notre pays, c'est comme si nous sommes sur des clics. Le pays est en balance là, il n'y a rien. L'éducation, tout. C'est sur tous les plans que les choses ne marchent pas. Mais quelqu'un m'avait illustré en me disant que le Congo, ça représente comme un véhicule qui n'a pas de pneus et qui n'a pas de moteur, mais il y a les gens qui commencent à le pousser en disant que non, poussons, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de batterie, il n'y a que des jantes peut-être, mais qu'on force en tout cas en disant que non, il faut que ça marche ce con. Nous devons aller au fond des recherches et des solutions. Nous devons trouver la panne, elle est où? Qu'est-ce qui se passe pour que nous ne puissions pas avancer? Ça, ce doit être la réelle question que nous devons nous poser avant que nous fassions quoi que ce soit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ces conditions-là et puis essayer un peu de vous donner notre point de vue sur ces conditions, développer ces conditions dans les 30 minutes qui vont suivre. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer ce sujet qui est très très intéressant. Je crois que nous allons le faire dans 2 émissions. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, 8 groupes armés disposés à dialoguer avec les gouvernements congolais. Et puis, à part ça, nous avons en Ituri ici 8 civils dont un chef de base libéré par le main de ZDF par l'armée à Irumu. On va sur actualité.cd, signature d'un contrat de financement entre le FPMSE et TID à Butembo. Difficulté d'approvisionnement en kérosène, le gouvernement appelle au calme et exhorte les compagnies d'aviation à réduire les fréquences en attendant la normalisation de la situation. Congo profond, APLTP et OIM au Parlement pour l'adoption de la loi sur la traite. Et puis, 12 cas en Ituri, cas de décès en 5 mois à la prison de centrale de Bounia. Kasaï Oriental, réhabilité l'épée, le col inauguré sans banc, sans pupitre à Demba.
7 sur 7. Le chef d'antenne du fonds forestier de 4 provinces suspendu pour détournement. Et puis à Kapende, je n'ai pas le sang de mouser sur mes mains. Et retrait de militaires ougandais, la décision revient au président Tshisekedi Museveni. On va terminer sur Radio Okapi, cour constitutionnelle, l'intérim confié à M. Corneille Wassenda, maître Corneille Wassenda. Et puis à Ituri, le gouverneur Louboya s'insurge contre le détournement des soldes des militaires. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc l'actualité est prédominée par ce qui se passe à Lubumbashi. D'abord, il y a une conférence. Je crois que c'est aujourd'hui que ça va terminer. Aujourd'hui, nous sommes, le 19 mai. Je crois que c'était du 17 au 19 mai que ça va se terminer. Donc, dans une de mes tweets, j'avais dit, à propos de cette conférence-là, je me suis dit, c'est une dynamique qui peut être... positif, et que si les Katangais pouvaient déjà commencer cette dynamique là, je crois que ça va réveiller la conscience de tous cette conscience des régionalismes. Mais ce que nous ne nous avions pas apprécié, c'est qu'ils n'ont pas défini. Nous ne savons pas effectivement les outcomes. Nous ne savons pas ce qui va se passer après. Ça va servir à quoi de se rencontrer, de se réconcilier? Quand on parle de la réconciliation, je crois que nous devons être sincères envers nous-mêmes. Est-ce que les Katangais se sont brouillés? C'est ça, ce sont les questions. Ils se sont brouillés comment? Où était le problème? Est-ce que ont-ils trouvé... Pourquoi est-ce qu'ils vont se réconcilier? Quand est-ce qu'ils se sont brouillés? Est-ce que nous savons que les Katangais s'étaient brouillés? Au fait, moi, ce que j'ai condamné de ce sens-là, c'était que l'intitulé même de cette conférence, et je crois que lorsque l'intitulé n'est pas bon, tout perd le sens. C'est ça que moi j'ai dit, bon, nous ne sommes pas contre, mais vous allez causer sur quoi? Dites carrément que nous allons réfléchir sur la marche de notre pays. Nous, Katangais, nous allons réfléchir en Katangais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous pouvons apporter sur la table? Quelles sont les solutions que nous allons parler en dehors des institutions? Parce que vous êtes partout dans les institutions. Quel est le regard externe? Peut-être c'est comme ça qu'il devrait définir cette conférence en disant « Nous allons réfléchir sur sur l'avenir de notre pays. Comment est-ce que nous attendons? Comment est-ce que nous appréhendons les élections de 2023 en tant que Katangais? Quelles sont les solutions que nous pouvons mettre sur table qui doit sortir dans le extra-constitutionnel, donc extra-institution? Vous êtes au Parlement, mais vous n'avez pas peut-être le moment, vous n'avez pas peut-être cette opportunité de parler ou quoi que ce soit. Mais la réflexion d'un nouveau Congo, qu'est-ce que vous... C'est comme ça que moi je me suis dit, c'est ça qui pouvait peut-être motiver à ce que vous intitulez cette conférence-là. Et ne pas peut-être aller le faire et puis proclamer que vous allez vous réconcilier. Vous aviez été ennemi pendant, qu'est-ce qui vous a divisé? Allez, est-ce que vous êtes derrière le pouvoir? Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est comme ça que je me suis dit, cette conférence-là, je crois que ça a des motifs, mais des histoires cachées. Alors, nous avons dit, pour rentrer dans notre titre, les conditions et les préalables pour une bonne marche d'un nouveau Congo. Mes chers amis, je vous avais dit dans l'introduction que nous, les Congolais, nous aspirons, nous attendons ce nouveau Congo. Je vous dis que nous sommes parmi les gens qui réfléchissent avant. Donc nous réfléchissons peut-être pour les 10 ans, pour les 5 ans qui vont venir, pas pour aujourd'hui, parce que ce qui se fait aujourd'hui, en principe, nous devrions les réfléchir depuis 1900, donc depuis 10 ans. Mais nous, les Congolais, justement, nous n'avions pas réfléchi. Ce que nous avions réfléchi et qui a eu son temps, c'était en 2001. Ici à San City, les gens se sont mis d'accord en se disant,
Voilà comment nous allons diriger le Congo. Pendant pour réunifier le Congo, voici les textes que nous mettons sur place pour que nous puissions réunifier le Congo, pour que nous puissions avoir un peu un Congo qui a un sens où nous sommes un pays. Ils ont réfléchi sur un texte et ce texte nous a amené jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde continue à se combattre que ce sont les textes. Or, nous oublions que ce texte-là était fondé sur la monture afin d'amener tout le monde ensemble. Et ce texte ici est taillé sur mesure. Les gens qui ont réfléchi sur ce texte, ce n'est pas le peuple congolais. Mais aujourd'hui, nous disons, il est grand temps. Plus dans la marche du pays, ça ne contribue plus, il y a des cacophonies dans ce texte. Et les situations dans lesquelles nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des situations qui demandent à ce que nous modifions ce texte fondamental afin d'inclure les nouveaux et les éléments et de voir comment est-ce que nous pouvons corriger ce que ce texte ici a manqué. Il y a beaucoup de manquements dans ce texte. Mais le politicien congolais continue à entretenir la confusion. Justement, en s'appuyant sur ce texte, nous allons créer la CENI, nous allons créer... Nous avons vu la présidence de la République qui ne fonctionne pas avec le pays. Il y a beaucoup de régies qui ont été créées pendant que le temps devrait être mis en place. Nous avons vu que cette constitution n'a pas permis à ce que les territoires et les provinces puissent émerger. Nous avons vu que cette constitution ici qui est présentement, le pays est encore entré dans un... il est toujours dans cet unitarisme à outrance où l'homme est propulsé en avant, où l'homme est déifié, où le président a tout le pouvoir. Or, dans la démocratie, c'est très dangereux. C'est ainsi que vous allez voir. Ceux qui entretiennent cette confusion, ils veulent à tout prix que nous ayons aux élections dans cette même confusion, afin que eux, leur tour arrive. Constitution Nabiso Oyalelo Ezako consacré Batu. Arriver au pouvoir, c'est par le populisme. Ce n'est plus par les compétences, ce n'est plus par des programmes. Confusion à tout ça qu'on continue à entretenir en haut. La constitution y est pour quelque chose. Parce que la constitution en haut, mais voyez comment est-ce que nous sommes en train d'organiser les élections. Nous avons déjà fait à peu près 2006, 2011 et puis 2018. Trois tours des élections. Qu'est-ce que ça a changé? Et c'est ça que nous continuons à crier ici à Contact Pro Life, qu'il est grand temps à ce que nous puissions faire une nouvelle constitution pour que nous remettions le pays sur de bonnes voies. Alors, quelles sont ces conditions-là? Quels sont les préalables que nous avions dit dans notre titre? D'abord, pour que nous ayons changement, il faudrait que le peuple congolais puisse sentir que non, en tout cas, tour Oyo, Makambozo lis ezali susu lika ndenge zo za kosalema na deuxième république. Ezali susu na ndenge ya na ndenge za kosalema na tango ya Kabila. Ezali susu tena ndenge zo salema kana tango ya Félix Tshisekedi. Tokoti na monde ya sika, monde yango ya sika za ndenge nini? D'abord un, le pouvoir doit être remis à la base, le mode de gestion. Le mode de gestion doit changer. Ça, ce sont les conditions. Comment allons-nous y arriver? C'est comme ça que nous nous sommes dit, la démarche que nous avions proposée et que nous continuons à proposer ici, c'est celui de faire des conférences, d'appeler les états de lieu de chaque territoire. C'est ainsi que vous allez constater que, au début, là, je parlais de la conférence de Katangé qui se passe et que j'encourageais, je me disais, moi je ne vois pas le pourquoi de cette conférence, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens peuvent crier, oh non, pourquoi les Katangé doivent se rencontrer parce qu'ils se sont réconciliés. Il y a à boire et à manger. Mais dans l'ensemble, dans l'idée,
Moi, je suis pour. Moi, je soutiens à ce que les gens puissent se rencontrer afin de discuter. C'est le fond qui est très important. Comme disent les Anglais, the content. Le fond, qu'est-ce qu'ils vont discuter? Comment est-ce qu'ils vont discuter? Quelles sont les idées qu'ils mettent sur table afin de partager? Quels sont leurs constats? C'est ça qui est le plus important et le plus à faire attention. Mais si vous allez là-bas en disant, bon, nous allons nous réconcilier. Vous allez vous réconcilier. Quand est-ce que vous vous êtes embrouillé? Réfléchissez plutôt sur la marche. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait à ce que notre pays n'avance pas? C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous supportons le président de la République tant qu'il sera conscient en se disant, tout ce que nous sommes en train de faire ici mérite une solution globale. Et la solution globale est de rétrocéder le pouvoir acquis de droit par de mécanismes naturels en se disant, convoquons les états de lieux des territoires qui découleront à ce que les gens puissent aller réfléchir sur la bonne marche de la République. Mais maintenant, nous nous sommes dit, il faut absolument proclamer un nouveau Congo. Mais le nouveau Congo, nous devons nous-mêmes, les Congolais, le préparer. C'est en nous donnant le temps, en se disant, nous devons absolument nous mettre sur la table pour constituer un nouveau gouvernement, disons une nouvelle constitution. Nous devons nous mettre sur table, nous devons causer, nous devons analyser la situation actuelle de notre pays qui fait à ce qu'il y a des guerres à l'Est, il y a ceci. Nous n'arrivons pas à même... Tous les projets que nous commençons, ça n'aboutit pas malgré les bonnes volontés que nous pouvons avoir. Les projets que nous faisons, ça ne donne pas les résultats escomptés. Et c'est par là que nous nous sommes dit, il faudrait que le Congolais puisse réfléchir. Et que ceci, les conditions c'est quoi? C'est cet appel justement de dire, réfléchissons sur une nouvelle constitution, lançons le débat sur une nouvelle constitution, parce que cette constitution ici, ça ne cadre pas. Tant que le président de la République va s'accrocher à ce pouvoir-là en se disant, c'est moi le président de la République, d'autres personnes envieront sa place et il y aura toujours des combats. Pourquoi c'est ce système-là que nous sommes en train de favoriser? Nous avions demandé à ce que Félix Tshisekedi puisse diaboliser d'abord ce pouvoir-là en disant « Awa, il faut total à pouvoir raison à la peuple. » Et là, il sortira un grand et implémenter justement cette situation à ce que le peuple puisse récupérer le pouvoir à la base afin que Bamiyibi Nbazalaka déjà détecté au niveau de la base et qu'on quitte sa tension. Ma condition est une condition zakaka éveille à conscience à président de la République. Il y a qu'on se mettre en aligné au bisotolobakia. Nous avions fait ça dans en mettant cette idée là des états des lieux de province, des territoires et
Ça, nous avions dit, nous avions mis ça dans le projet des 145 territoires. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, si nous avons les états déliés des territoires, les 145 territoires pourront discuter autour d'une table sur une nouvelle constitution à être appliquée en 2024, donc début 2024, fin 2023. Et nous pouvions avoir le temps de discuter et de réfléchir vraiment en se disant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les lois que nous n'avons pas, qui n'a pas été vraiment bonne dans cette constitution ici? Quel est le temps que nous pouvons dire, par exemple, cette constitution, avant qu'elle ne soit changée, voici les préalables, il y a beaucoup de choses. Et ça, ça doit être discuté dans des états de lieux de territoire. C'est comme ça que nous sommes dit, les conditions, il faut d'abord que Moutouna Moutou Ayeba, que ba conférence oyo ezala kaka na kati ya nani te oh na kati ya ba région te, il faut que kende na tina ba territoire e ba twana ezaba nani o ba ko discuter. Ce sont justement ces politiciens que vous aviez vu dans les conférences ya yanani ya Katanga kuna ba tunyoso o baza na parlement devront être renvoyés, ba tunyoso o baza na sénat ba dinga ki tolinga to renvoyer bango pour aller réfléchir. Bandeko, même une maison ne se bâtit pas parce que au bandika koyé na ba brique lobi to kotia ba brique boy plan ezalaka. Et quels sont les plans pour que nous allons faire les études pour notre pays, pour que nous soyons grands? Nous devons mettre notre intelligence d'abord à nous mettre en ayant un plan directeur par lequel nous allons dire que République Nabiso, constitution n'angoya sika yangoyo, oyo ekobanda na 2023, tozo réfléchir, peuple nyon soba adhéré na kati. Oh, mutumo kwa za kwe bisanga lobi, likambo ezo sale mana Kongo eza neti, olobi, ozana posa kotonga ndaku, me olobi boba manza nzezali awa, me ozana plante, oyebi mabele plasi nina ngo za kotia ndaku na yote, ozana babiloko nyoso ezali awa, ba instrument nyoso ezali, me tu ne kone pa koma eske vous allez agencer le brique, oyena ba brique, na brique kuit, oyena ba beton, oyena babiloko nyoso, ozana plante, eko désorganiser biso. Mettons d'abord de l'ordre. Mettons-nous d'accord sur un texte, un nouvel texte. Constitution asika ezo sengama. Il faut que batuba solo la. Likambo ezako salemana est. Eza likambo a pouvoir. Eza likambo a contrôle économie. Eza likambo a batuba banda ba solo la. Les gens vous disent que non, vous, même si vous otongi ba école ndengenin, mais si les gens ne sont pas d'accord et que ça le développement koyate, le développement ne viendra que lorsque les gens se mettront à travailler ensemble. Tozana babilo ko nyoso anaza ko ebisabino tozana babilo ko nyoso. Il y en a tout, tout est ici au Congo, mais lorsque nous avons tout, mais nous ne savons pas comment faire travailler nos tout là, nous serons toujours nuls. Dans un bloc à construction, nous avons tout, nous avons les matières premières. Mais tozo koka kotonga usine te ya cuivre ya kobimisa ba câble électrique. Nous avons ce qui lithium wana pona ba bloc à ba batterie, mais tozo koka kotonga usine ya kosala ba batterie te. Or les batteries sont recherchées par tout le monde. Tout ça, c'est ekokoma ndenge nini, ekokoma tango biso moko toko vanda ensemble, nous allons nous mettre d'accord et nous allons nous dire, écoutez, le grand problème pour nous, c'est que tout le monde doit se retrouver, mais total ndenge nini toza na ordre. Imaginez-vous que na mboka na biso toza ta na carte d'identité te, et nous n'avons même pas le plan ya koloba, comment est-ce que nous allons nous identifier? Mais biloko wana okomona ta même ata na conférence oyo ezo salema na Katanga, bato bazo réfléchir na ngote. On est en train de réfléchir sur les hommes. Oh Katumbi ne mutu. Oh non, il faudrait que Kabila soit le président. Oh, tozo pona, tozo réfléchir si makambo ko salema te. Notre pays, nous devons engager des discussions pour la préparation d'un troisième république, d'un quatrième république. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Ma convocation à l'état des lieux est impératif.
président de la République, si tu te mets dans ces logiques-là, en proclamant Yakoloba, modèle tozo kende, tozo toko ma ici ka mon côté. Binonyo so bozo envie kaka boza la ba président awa. Tango o koma président, o komi pe koyiba, o komi pe ko sala makamuna yo, makambo a peuple za sima. Tant que peuple kozala involve te kozala, na kati kozala considere te, tant que peuple ko rekepere bo konzina ete, ki moibye ko sila na mboka te, corruption kosi la te. Ba monyo so oto zomo na awe kosi la te. Il faut absolument que tole ka place wana. Eko koma ndenge nini? Toloba ki awe faut d'abord ko suspendre parlement na sena. Ko mettre bango en vacances. Vacances ango za ndenge nini. Ko tinda bango na ba circonscription na bango. Pendant les 6 mois, le parlement à Kinshasa et le sena ne vra pas. Likambo ya ba cour constitutionnelle wana nanu totika nanu yango wana biloko nyonso ezala suspendu tokende ko réfléchir sur une nouvelle constitution et kozala réfléchir wapi na kati ya ba territoire. Les gens doivent se mettre ba consultation populaire wana nous l'avions déjà demandé depuis longtemps, mais président boyaki koyoka biso. Nous rentrons dans les territoires afin d'aller discuter des textes fondamentaux. Batubake ko solo la kuna biso tomoni boy. Et des territoires, les gens vont se choisir maintenant. Nous avions encore parlé, nous sommes dit, ba conférence on est voit à peu près 300 personnes choisies dans les tribus et les notables de chaque tribu qui habitent le territoire. Pourquoi les tribus? Tant ozo kende na Djougou. Okena territoire ya Djougou okokuta batu bazakuna bayebani ba notable akuna bayebani ba tribu o ezakuna ba notable akuna bayebani ba kokiko se choisir on est ko pousser bat et ko pousser peuple congolais ya koyebana nani aza nani. Choisissez-vous entre vous dans le tribu. Le président de la République alobaka wana kinkola alobi bon pona tozwa bato ba ko diriger nani département ya pêche kuna soki kote kuna. Choisissez-vous les gens pour qu'ils viennent na nommer Bango. Mais est-ce que ça l'aima? C'est parce que l'ennemi du public, l'ennemi numéro un, se trouve justement tout aux alentours. Baza koko sa président. Et le président, comme il n'a pas de personnalité, makamuna eza ko kendeka nengwana flou et komi. L'histoire a pêche à nani à kinkolwana et souka nango nengwana. Donc, comme nous avions dit au début, l'entretien de la confusion est tenu par les politiciens eux-mêmes qui ne veulent pas ce que le pays puisse rentrer dans. Or que bino ba politiciens bozako koma ba vieux. Vous vieillissez et vous voulez laisser le Congo dans le chaos. Vous ne voulez pas laisser le Congo vraiment sur l'ordre. Bokotika la ka éternel maté. Bokotika la ka éternel maté. Il est grand temps de réfléchir à de bonnes résolutions. Ya Congo bandeko nazako linga na silisa awa na koloba boye. Le président devrait prendre tant au etikali a proclamé ango ezala année à transition. Oto ko réfléchir sur la 4e république. Oto ko réfléchir comment est-ce que to iko silisa ba problème belé sur l'enseignement, sur la sécurité, sur en pondant une nouvelle constitution. O le président de la République a kozala lisusu maître iniquité. Ba tu nyonso na kati ya ba province ba ko réfléchir sur une nouvelle constitution et chaque peuple dira awa to ko réfléchir sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan éducationnel, sur tous les plans. Nato loba siko eloko asika. Notre pays est en paix. To iko loba te ke no constitution eza ko loba ke no. To iko changer constitution te tant que to. Nous allons prendre par exemple cette année ici de 2023 une année transitionnelle qui va nous permettre de réfléchir sur une nouvelle constitution. Réflexion ne ko uta wapi na kati ya ba base autant o ko kende na ba province ba compiler ango batu o ba ko uta na province sikonde ba ko ya na niveau national pour rédiger une nouvelle constitution et constitution ana eza la promulguer eza la e kende na référendum puis référendum to tala ya soki ko lekane ni to réfléchir sur structure mobimba ya mboka mobimba.
Ça, ça sera mettre les nouvelles pneus sur une voiture. On a vu ça qui vient, on a bandé. Voiture, mais ça n'a pas moteur, ça n'a pas pinette, mais tout le monde a tout indiqué, tout le monde a tout indiqué. Oh, ce qui est sali, le cambo. Oh, ça va être une manière de réparer les choses dès le départ. Tobandeli li makambo a zero, tobandi ango na kosali sa makambo na ndenge o ifo ekende. C'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui, mes chers amis, en espérant que ce sujet ici va encore vous intéresser et puis nous allons voir si nous pouvons y arriver avec beaucoup d'éléments. Nazana ba élément mususu ana lobite, il y a d'autres éléments parce qu'il y a des conditions pour justement avoir cette banane ba il y a participation à ba il y a ba tout na kati ya ba état de lieu wana quelles seraient les conditions, comment est-ce que les on va implémenter ces conditions na eza tout un projet zali awa na linga kite bon na zo loba kango ka malembe malembe et je crois que la sauce est en train de prendre ba tout ba comme cause à la conscience que non dans les régions on doit aussi réfléchir sur la marche du pays. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Il y en a encore beaucoup malgré mes absences. Landa qui peut l'émission Oyakala et qui m'appelle pour me féliciter et puis me dire que non, je dois continuer. Ce qui m'appelle Nabino Yakate, mais Nasila Kala, Nasilisa Nangai, Nakanga. Mais tellement que vous êtes nombreux à m'appeler, à m'envoyer des messages, à m'encourager sur les idées que je suis en train de donner ici, surtout ce nouveau Congo. Ça me donne encore envie de faire plus. Voilà. Sans oublier que nous avons toujours ce projet-là. Nous nous sommes dit que Tokokiko lancé en mois de juin. Et le mois de juin, c'est le mois prochain. Nous avons Sungabiso vraiment tous à l'après. Tout lancer le programme. Wana, beaucoup se pelanango. Et je vais vous donner beaucoup d'autres éléments un peu plus tard, lorsque Babilo Konyoso et Kozala déjà mis en place. Alors, merci beaucoup, vraiment, comme je disais, bon, continuez à partager mes émissions à Bissot. Ce qui est là pour la première fois, laissez un petit message. Pesa ba point de vue na yo. Cliquez na cloche wana pour que tant que vous avez une émission, vous allez averti. Voilà. On se revoit dans un nouveau numéro, portez-vous bien, bonne santé et au revoir.